violent avec des pointes atteignant les 110 km/h. Les températures vont baisser maintenant de 6 degrés pour Brest, 8 à Aurillac, 9 degrés pour Paris, avec un maximal à Ajaccio, on prévoit 16 degrés à Lyon. Dans un contexte de crise, ces mesures sont prêtes. À suivre aujourd'hui ce sommet social à l'Elysée. Oh putain, j'ai mal au ventre. Ah ! Ah ! Cherché par toutes les polices de France, le gang de la Croix-de-Chavaux a été finalement arrêté. C'était hier soir à 23h. On rejoint Florent Pfeffer qui se trouvait il y a quelques heures au 36 Quai des Orfèvres à Paris. C'est vers 23h cette nuit que les policiers de la brigade de répression du banditisme ont procédé à l'interpellation de ce gang de la Croix-de-Chavaux. Un gang soupçonné, vous le savez, d'être à l'origine de ce braquage d'un fourgon blindé il y a 2 mois à Noisy-le-Grand. On ne connaît pas vraiment l'identité de ces individus. Ce qu'on sait en revanche, c'est que c'est le résultat de plus d'un an d'enquête de la police capitaine. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ça? Ta mère, elle est pas passée. Vise bien toi aussi. Je vise bien. Qu'est-ce que tu veux toi, là? T'es pas une Casse-toi, toi, vas-y, casse-toi, lâche-moi. Tiens, regarde. Toi, t'as le flingue, moi j'ai les balles, t'as compris? Putain, je fais calarder.